Mon nom est Marcel Henke, je viens de Zurich. Je suis journaliste, ou disons plutôt, j'étais journaliste, surtout sur des thèmes de l'environnement. Et il y a quelques ans, bon, il y a 3 ans pour être précis, j'en avais marre d'écrire toujours comme journaliste ce qu'il devait faire en ce qui concerne la crise climatique. Et c'était le moment où j'ai décidé de changer mon rôle, de quitter ma profession comme journaliste et de lancer une initiative populaire. C'est l'initiative populaire qui est connue maintenant comme l'initiative pour les glaciers. Et c'est pourquoi je suis venu ici à Lausanne pour présenter le livre que j'ai écrit pour expliquer cette initiative. C'était moi qui avais l'idée, mais je me rendais bien compte qu'on ne lance pas une initiative toute seule. Non, j'avais un groupe qui me soutenait. D'abord, c'était Greenpeace. Et maintenant, on a créé l'année passée une association, l'Association Suisse pour la protection du climat. Nous sommes 2000 membres, nous avons un secrétariat. Donc voilà, les arguments étaient déjà là. Ce qui nous a coûté beaucoup de travail, c'était de vraiment créer un texte de l'initiative qui est bien. Mais les arguments étaient déjà là depuis longtemps. Et ce que nous demandons, l'initiative demande de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro jusqu'à l'an 2050 au plus tard. Et c'est une demande qui est déjà, pensez pas, originelle, parce que c'est le contenu de l'accord de Paris. C'est l'accord de Paris qui a été signé par la Suisse et beaucoup d'autres pays en 2015. Donc la Suisse est déjà obligée de faire ce que nous demandons. On pourrait dire l'initiative n'est pas nécessaire, parce qu'on a déjà décidé. Mais nous voyons les réalités politiques que le gouvernement, le Conseil fédéral, il a signé cet accord, le Parlement a ratifié cet accord, mais il manque toujours la politique. Donc c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que les objectifs de l'accord de Paris soient fixés dans la Constitution fédérale. Je pense qu'on a déjà un peu de succès avec cette initiative. Elle n'est pas encore déposée à Berne, on va déposer les signatures en 2 semaines. Mais déjà maintenant, nous voyons que le Conseil fédéral a commencé à bouger. Le Conseil des États a commencé à bouger. Ce n'est pas seulement à cause de notre initiative, c'est aussi à cause des manifs, des jeunes, du mouvement pour une politique climat. Mais nous sommes un élément de ce mouvement. Ouais. Je pense que ça a déjà des effets. C'est trop tôt maintenant pour voter pour l'initiative, parce qu'on va d'abord déposer, puis c'est le Conseil fédéral, après c'est le Parlement qui va discuter. Donc jusqu'à la votation, il y aura encore 3-4 ans peut-être. Donc pour ce soir, c'est d'abord de présenter le livre qui accompagne l'initiative. Mais aussi, bien sûr, de chercher du soutien pour l'initiative, parce que maintenant, nous allons déposer, puis il faut attendre 3-4 ans. Mais attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Il faut vraiment travailler pour convaincre les gens qu'on ait un problème avec la crise climatique. Et c'est un travail qui va durer. J'espère que ça va fonctionner comme ça, qu'on puisse convaincre le gouvernement, et puis les lois qui seront prises pour convaincre les gens à faire ce qui est nécessaire. Ou bien les gens, c'est plutôt les entreprises. J'espère que ça va marcher comme ça, mais on verra. C'est toujours, vous savez qu'en Suisse, si on fait une initiative, même si on accepte, si la population accepte l'initiative, puis c'est fixé dans la Constitution fédérale, mais ce n'est pas encore la réalité politique. Donc il faut, après, une fois l'initiative, disons, si on gagne le scrutin, il reste beaucoup de travail à faire après, parce qu'après, il faut vraiment être concret, vraiment décider sur des instruments politiques. Et ça va coûter, des fois, on aura des ennemis politiques qui n'accepteront pas que, disons,
l'humus ou l'essence va être plus chère, par exemple. Mais c'est normal, c'est la politique. C'est quand même le monde entier qui a décidé sur l'accord de Paris. Donc tous les pays sont obligés de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro. Mais certainement, il y a certains risques si la Suisse a une politique plus, disons, plus ambitieuse que d'autres pays, que les entreprises ont quitté la Suisse avec la production. Bien sûr, il y a ce risque. Mais nous avons dans notre initiative un article, ou bien plutôt un alinéa qui dit qu'il faut viser un renforcement de l'économie suisse avec cette initiative. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre des mesures, des instruments politiques pour protéger l'économie suisse ou les entreprises suisses contre la concurrence dans des pays qui n'ont pas une politique climatique aussi ambitieuse qu'en Suisse.